Please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now in session. Je déclare l'audience ouverte. Today the chamber will hear oral responses or observations to the key document presentations by the co-prosecutors and the lead co-lawyers for both parties, by the defense team for Pierson Pon in relation to regulations of marriage, and to hear responses of parties in relation to the co-prosecutor's request, that is E436. Des co-procureurs. Yesterday, the defense team of Nguyen Chia sent an email through the trial chamber to clarify the scheduling orders for the proceedings before the Pyongban recess, and for that reason, the chamber intends to hear responses from parties after the oral responses or observations made to the request by the co-prosecutors. And the chamber would also like to inform the parties that the chamber intends to call an additional witness in relation to regulations of marriage. The witness is a civil party in case 004, and the co-prosecutors actually read the written record of this civil party during the proceedings of key document presentations on the 6th of September 2016, that is document E3-9820. And the chamber intends to hear responses by the parties to the request by the co-prosecutor. Eu égard à la requête formulée par les co-procureurs. And Ms. Sarah Colbotti, please report the attendance of the parties and other individuals to today's proceedings. La présence des parties au procès aujourd'hui. Greffier, Mr. President, for today's proceedings, all parties to this case are present. Toutes les parties au procès sont présentes. Except Marie Guiraud, à l'exception de Maître Marie Guiraud, lead co-lawyer for civil parties, who is absent for personal reasons. Mr. Nguyen Chia is present in the holding cell downstairs. He has waived his right to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the greffier. Thank you. President, the chamber now decides on the request by Nguyen Chia. The chamber has received la a waiver a reçu from Nguyen Chia, de Nguyen Chia, un document de renonciation dated 8 September 2016, which states that due to his health, that is headache, back pain, he cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his right to be present at the 8 September 2016 hearing. He advises that his counsel advised him about the consequence of this waiver, that in no way it can be construed as a waiver of his rights to be tried fairly or to challenge evidence presented to or admitted by this court at any time during this trial. Having seen the medical report of Nguyen Chia by the duty doctor for the accused at the ECCC, dated 8 September 2016, which notes that du 8 septembre 2016, Nguyen Chia has a back pain and feels dizzy when he sits for long, and recommends that the chambers shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 81.5 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nguyen Chia his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs by an audiovisual means. The chamber instructs the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that Nguyen Chia can follow. That applies for the whole day. Now I would like to hand the floor to the defense team for Kyu Sampon in order to respond or to
make observations to the key document ou pour faire des presentations observations by eu the égard à la co-prosecutors and the lead co-lawyers for civil présentation des parties. Do you documents have the clés qui a floor? été faite par les parties civiles et l'accusation. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Thank you, Mr. President. Good morning, everyone. Je vais, comme d'habitude, commencer par As des usual, remarques générales sur I'll start with les documents general présentés remarks avec on the documents presented, la remarque habituelle with the usual concernant le fait que remark pour the fact les déclarations écrites qui sont présentées comme documents the clés au lieu et place de témoignages oraux, In place of je rappelle oral que testimonies, les parties et la défense I'd en particulier like to remind est limitée dans l'exercice de son droit à confronter les témoins in et their, la preuve à charge of their right et que dans ces conditions, la Chambre devra en tirer les conséquences en ce qui concerne la valeur probante, notamment sur des éléments, encore so une fois, que la défense n'aura pas pu testé à l'audience. J'appuie particulièrement sur ce point aujourd'hui parce que dans le cadre de, de cette présentation sur ce segment, il y a as eu des citations extrêmement importantes, extensives de certaines déclarations venant de surcroît d'instructions qui sont différentes de l'instruction qui a eu lieu pour M. Kyusampan. Et que c'est une violation à notre sens encore plus importante de cette possibilité de pouvoir être confronté à la preuve à charge. C'est d'autant plus important, encore une fois, que lorsque l'on prend l'essence de ce que sont ces audiences de documents clés, à savoir les éléments pivots et importants, essentiels, a priori, que l'accusation met en avant. That the et les avocats des parties civiles également mettent en avant pour leur argumentation devant la Chambre, c'est quand même très dommageable pour des accusés de ne pouvoir tester cette preuve. Alors, je note, comme ça a pu être fait par le passé, que les co-avocats des parties civiles nous ont donné l'assurance sur les déclarations de parties civiles qu'ils ont souhaité présenter, qu'ils avaient fait au préalable des vérifications. Comme à mon habitude, je vais rappeler que les vérifications faites par les co-avocats des parties civiles, si je ne mets pas en doute leur bonne foi, n'ont rien à voir avec un interrogatoire à l'audience qui est mené par des équipes de défense qui ont certainement un autre angle que celui des co-avocats des parties civiles. Cela étant rappelé, ça c'est de façon générale sur toutes les déclarations écrites qui ont été présentées. Cela étant rappelé, je vais commencer par répondre, et ça va être l'essentiel de mon intervention, aux documents présentés par l'accusation. Et quand je dis répondre, c'est surtout remettre les choses dans leur contexte ou citer des parties de ces mêmes documents qui n'ont pas été citées par l'accusation. Je vais commencer, et là ça va être une petite remarque en passant, disant qu'il faut faire attention à la tendance que l'on peut avoir X années, X décennies après les faits, de vouloir trouver dans un passé lointain le germe de la politique des mariages. Là, je j'appuie d'autant plus ce point et cet argument de l'accusation, puisque l'accusation a repris notamment en citant le document E320, Les larmes du Cambodge, l'ouvrage d'Elizabeth Baker. Il a cité une partie de cet ouvrage en expliquant que les mariages de Pol Pot et de Ieng Sary étaient des mariages de convenance dans lesquels l'amour avait peu de place. C'est la position d'Elizabeth Baker. C'est la position d'Elizabeth Baker. En tout état de cause, je trouve que c'est intéressant lorsque l'on met en avant le mariage donc, de Pol Pot et de Ieng Sary pour expliquer que c'était peut-être plus mariage d'alliance, etc. Je mets simplement en avant le fait que ce sera certainement un point qui sera intéressant à aborder
avec les experts à venir et éventuellement avec d'autres témoins sur l'importance de la notion du mariage d'amour dans la société traditionnelle cambodgienne. Et quand je dis le mariage d'amour, je veux dire le sentiment amoureux comme un préalable nécessaire à un mariage, parce que, et ça je le dis assez facilement parce que ce n'est pas un propre à la société cambodgienne, mais enfin, dans de nombreuses sociétés, y compris dans les sociétés occidentales encore jusqu'à il y a assez récemment, le mariage était plus une question de mariage de raison, mariage de convenance ou encore une alliance de famille venant d'un même milieu socioculturel. Donc ça, ce sont des considérations qui seront intéressantes à creuser dans le cadre des débats qui surviendront. Mais je trouve que c'est intéressant de mettre cette observation en rapport avec l'avis d'Elisabeth Becker sur les mariages de Ieng Sary et Pol Pot. In the light of what de la même façon, Elizabeth Baker said regarding Pol Pot's and l'accusation a cité marriages. Des propos attribués à Nun Chea dans l'ouvrage de Tet Samba, Derrière les champs de la mort, E3-4202, Beyond the Killing Fields, en nous expliquant qu'on pouvait y trouver l'essence de ce qu'allait être la réglementation du mariage. 20 ans plus tard, là encore, il faut se garder et faire attention à ce genre d'extrapolation. Comment le mariage de Nguyen Chea en 56 et la raison pour laquelle il a épousé sa femme serait le terreau de la réglementation du mariage dans un Kampuchea démocratique qui en 56 n'existait pas dans l'imagination. De in the minds, Nguyen Chea à l'époque, je pense qu'il faut d'autant faire attention sur les extrapolations. Il faut rappeler la citation, une partie de la citation faite par l'accusation, donc document E3-4202, ERN en français, 00849378, en Khmer, 00858524, et en anglais, 00757496. Et si l'on en croit Tet Samba, les propos qu'aurait tenus Nguyen Chea sur le choix de son épouse sont les suivants, je cite: il est difficile de vivre avec une femme qui n'a pas le même but dans la vie. Elle n'aurait pas pu supporter de lutter avec moi, a-t-il dit. J'ai donc choisi une personne qui avait la même détermination que moi. Peu m'importe si une fille est charmante et jolie, ce n'est pas son corps que je choisis, mais ses idées et sa personnalité. Fin de citation. Alors je veux bien que l'accusation estime que tout propos antérieur qui sort de la bouche des accusés correspondrait éventuellement à un plan pour la commission d'un futur crime. Mais je pense quand même qu'on peut convenir au moins sur cette partie des déclarations de Nguyen Chea que prononcée par n'importe qui d'autre n'y aurait pas eu de critique particulière, en tout cas de commentaire particulier. On peut effectivement choisir un conjoint plus par un projet de vie commun que par des caractéristiques physiques. Donc ça, encore une fois, c'était pour rappeler qu'il faut faire attention aux extrapolations en prenant comme fondement la vie privée des accusés. J'en viens maintenant sur les documents et discours évoquant, selon l'accusation, l'augmentation de la population, c'est-à-dire un lien avec les mariages. Et je tiens à noter de façon générale sur cette première partie de documents qui a été présenté par l'accusation que, contrairement à ce que l'accusation soutient, il n'y a aucune mention du mariage dans ces documents. Certes, on parle d'augmentation de la population, mais à chaque fois dans un contexte particulier, un contexte où on évoque également les conditions de vie et ce qui est fait pour essayer de
d'améliorer les conditions de vie de la population. Improve the living conditions. Je vais prendre the population. Un exemple, quelques exemples. Le document E3/1586 qui a été cité par l'accusation, qui est un discours de Yang Sari du 11 octobre 1977 devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le document donc à l'URN en français 00617795. Et ça va être plus simple puisque ce sont des paragraphes, hein, c'est au paragraphe 60 une des citations avait été faite par l'accusation. Et dans ce paragraphe 60, effectivement, à la fin de ce paragraphe, on évoque les conditions de vie et la santé du peuple. Et voilà ce que dit Yang Sari. Nous nous efforçons d'améliorer très rapidement les conditions de vie et la santé du peuple, car nous avons besoin d'avoir une population de 15 à 20 millions d'habitants d'ici 10 ans. Ça, c'était une partie de la citation de l'accusation. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce paragraphe arrive... cet extrait arrive à la fin du paragraphe 60 qui lui débute comme ceci, je cite, « Dans les domaines social et sanitaire, pour assurer rapidement la santé de toute la population, nous formons des médecins révolutionnaires animés d'un profond amour pour le peuple et d'un haut esprit d'abnégation. Et nous produisons des médicaments à partir des simples existants dans le pays. » Donc, pour remettre la citation effectuée par l'accusation dans le contexte, c'est parce qu'on parle du domaine social et sanitaire que l'on parle ensuite de l'augmentation de la population. Il n'y a aucun lien qui est fait avec le mariage. C'est un point qui est important également parce qu'au paragraphe 45, dans toutes les langues de ce même discours, l'accusation a cité une partie en fin de ce paragraphe 45 de ce discours de Yang Sari en évoquant le fait que Yang Sari parle à ce moment-là de la taille du territoire du Kampuchea démocratique et du nombre de ses habitants. Sauf que dans le contexte de ce paragraphe 45, nous en sommes... et donc je donne les ERN peut-être pour les interprètes, éventuellement qu'ils arrivent à s'y retrouver. 00617795 en français et en anglais 000000, donc 5 fois 0, 79813, paragraphe 45. Et cette description du territoire et du nombre d'habitants dans le cadre de l'intervention de Yang Sari se situe dans les déclarations qu'il fait au sujet du passé et des problèmes qu'il peut y avoir avec les voisins et notamment le Vietnam. Et voilà ce qui est dit précisément auparavant, et je débute donc au paragraphe 45. Le peuple du Kampuchea désire vivre en paix, dans la dignité et l'honneur, en tant que maître de son pays, édifier une société conforme à ses profondes aspirations et suivre ainsi une voie qu'il a lui-même choisie en toute indépendance et souveraineté. Ce sont là des principes sacrés auxquels il tient fermement. Mais dans le passé, des siècles durant, notre peuple a été réduit à vivre dans l'esclavage le plus infâme. Notre pays, soumis à l'exploitation et à la domination des féodaux et des réactionnaires étrangers, des colonialistes et des impérialistes, avait perdu beaucoup de ses territoires. Ces frontières actuelles sont les résultats funestes des actes d'agression, d'expansion et d'annexion dont il a été continuellement objet de la part de l'étranger. Depuis le 17 avril 1975, date de la libération totale et définitive du Kampuchea, notre peuple est devenu le véritable maître de son pays et de sa propre destinée.
Il est animé d'un patriotisme ardent et juste. En dépit de son douloureux passé historique, il ne désire aucunement rouvrir de vieux dossiers. Il tourne franchement ses regards vers le présent et vers l'avenir. Il ne nourrit aucune inimitié ni aucune visée d'agression, d'expansion et d'annexion aux dépens d'aucun pays, ne serait-ce que pour un seul empan de terre. Notre pays est petit et peu peuplé. Sa situation géographique et son régime politique ne le prédisposent nullement à commettre des actes d'agression à l'encontre d'autres pays. Les pays petits et faibles n'avaient pas les grands pays. C'est comme ça qu'on lit en français. Dans l'histoire du monde, seules les classes dirigeantes réactionnaires des grands pays, du genre d'Hitler, inventent des prétextes pour provoquer les petits pays, les accuser d'agression, et se servent de ces prétextes pour commettre des actes d'agression à l'encontre des petits pays et agrandir leur territoire aux dépens de ces derniers. Le Kampuchea démocratique n'a aucune motivation qui le pousse à agresser autrui. Fin de citation. Et c'est ensuite que vient la citation effectuée par l'accusation où il évoquait le nombre d'habitants dans le Kampuchea démocratique. Donc, là encore, dans le contexte de ce discours, c'est important de remettre les choses dans ce contexte. Dans ce contexte, on ne parle pas du mariage, on ne parle pas de l'augmentation de la population comme ça pour le mettre en lien avec la politique familiale. On parle de ce nombre de populations pour mettre en parallèle la différence entre les petits pays tel qu'il est décrit par Insari, qu'est le Cambodge, et une puissance plus importante, qu'est le Vietnam, ou les anciens pays coloniaux. Là encore, c'était important de souligner ce point, parce que à sortir les éléments de leur contexte et à prendre des tronçons de discours pour supporter son argumentation, et bien l'accusation déforme. It's wrong on the part of the prosecution. It's not well. Je peux faire les mêmes observations sur un autre document d'époque. C'est le document, toujours une note du ministère des Affaires étrangères du Kampuchea démocratique. Document E3/13-85. ERN en français 00-5-24-093. ERN en Khmer 00-00-64-617, et ça se poursuit sur la page suivante. ERN en anglais 00-488-637. Je vais relire l'intégralité d'un passage qui a été saucissonné, entre guillemets, par l'accusation, en rappelant ce que j'ai dit en préambule, à savoir que à chaque fois que l'on parle dans les discours des leaders du Kampuchea démocratique de l'augmentation de la population, c'est toujours en lien avec la question de la santé, du développement du pays et surtout de l'amélioration des conditions de vie de la population. Je cite l'intégralité du passage pour que l'on comprenne bien le contexte de toutes les déclarations. Première phrase qui avait été citée par l'accusation. Dans le domaine des affaires sociales et de la santé, nous avons connu un développement considérable également. Voilà ce que je rajoute et qui existe dans le paragraphe. La santé de notre population, à l'heure actuelle, est de plus en plus solide, à un degré supérieur. De manière générale, nous avons réussi à éradiquer le paludisme. Et nous sommes en train de continuer à consolider et à multiplier les résultats qu'on a obtenus sans nous arrêter un instant. Quelques lignes plus bas, il est indiqué. Les conditions de vie de notre population tout entière sont de plus en plus assurées sur tous les plans. Notre politique de croissance démographique est en train de donner de bons résultats dans sa première étape. Ça, c'est la phrase qui vient juste avant la citation qui a été
et qui a été effectué par l'accusation lors de la présentation de ces documents. Et ce qui est intéressant, c'est la conclusion de ce paragraphe qui n'a pas été cité par l'accusation et que je cite maintenant. Il est impératif de prendre soin, d'entretenir et d'améliorer les conditions de vie de notre population. Il faut également prendre soin de la santé de notre population pour qu'elle s'améliore encore plus dans la perspective d'une croissance démographique le plus rapidement possible. Donc là, fin de citation. Donc là encore, c'est intéressant de voir que dans le discours, dans cette note, de Yensari aux Nations Unies, ce qui est mis en avant, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population comme critère et comme perspective pour une croissance démographique. On ne parle absolument pas de mariage, ce n'est absolument pas mis en avant. Present. You may now proceed, Deputy Co-Prosecutor. Merci, bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Morning, Mr. President. Je ne voulais pas interrompre, mais en fait, je crois que la défense se trompe de document. But I think counsel is wrong. E315 est bien une intervention du camarade Pol Pot. C'est dans l'étendard révolutionnaire de septembre 1978. Tandis que la note du ministère des Affaires étrangères, elle porte la référence E315. C'est juste une précision pour qu'on parle bien des mêmes documents. Referring to the same document. Effectivement, c'est une erreur de ma part. C'est bien un étendard révolutionnaire de septembre 1978 que je viens de citer. En tout état de cause, mes observations restent les mêmes sur le contenu du document et sur ce qui est indiqué dans ce document. Effectivement, j'en viens la note du ministère des Affaires étrangères reprend le même principe, à savoir que lorsqu'on parle de l'augmentation de la population, on parle de rendre le pays plus prospère et améliorer les conditions de vie de la population. Un autre document qui est important, qui a été cité partiellement par l'accusation, c'est le fameux discours de Pol Pot que l'on retrouve à la fois dans la vidéo E3-7233R et le document FBIS E3-290, qui sera a priori un discours de Pol Pot, qui en tout cas apparaît sur ce document en octobre 1977. Delivered in October 1977, and it is important to note here again that l'augmentation de la population, et c'est le RN en anglais, je pense qu'il n'existe qu'en anglais. 00168665651. Et voilà ce qui est dit en anglais. Our people's health is excellent. La santé de notre Various diseases, particularly those handed down from the old society and certain addictions, have been basically wiped out. We are now concentrating on the eradication of malaria. In 1976, the first year of the four-year plan for the eradication of malaria, we have already realized 70% to 80% of our program objectives. We continue to strive to improve the conditions of life and health of our people because we hope to increase our population to 15 to 20 million in the course of the next 10 years or more. Next paragraph. The good results thus achieved by our Cambodian people under the correct and clear-sighted leadership of the Cambodian Communist Party constitute soaring new victories of the present phase of our Cambodian revolution. Qui prennent leur envol dans la phase actuelle However, de notre révolution cambodgienne. Cependant, in terms of the expressed desire of our people, they still fall short of the targets. Nous sommes encore en deçà des objectifs. The road ahead is a very long one.
Thus, we must double our efforts. We must further improve the standard of living of people in all fields so that each person continues to be strong, healthy, and to have a resolute sense of patriotism, and so that the Cambodian people in general can increase in number quickly enough to effectively defend and build our Cambodia into a prosperous and development country by leaps and bounds. Fin de citation. Défendre et bâtir un Cambodge dans un pays développé et prospère. Il ne s'agit pas de dire que la politique du PCK a eu du succès ou pas, mais il est intéressant de noter que dans le discours des leaders du camp social démocratique à ce moment-là, ce qui est mis en avant lorsqu'on parle de l'augmentation de la population, c'est l'amélioration des conditions de vie et surtout l'éradication de la malaria et une meilleure alimentation. C'est un point qui est intéressant parce que, sorti de leur contexte, encore une fois, on vient nous dire du côté de l'accusation que c'est en lien et c'est pourquoi, comme si c'était une démonstration qui était évidente et contenue dans les déclarations. Or, lorsqu'on prend ces déclarations dans leur contexte, à chaque fois, ce sont des éléments qui sont donnés dans le cadre d'une vision beaucoup plus générale de ce qui est un plan en rapport avec l'amélioration des conditions de vie de la population. Qu'il y ait eu échec de cette volonté, c'est un autre débat, mais en tout cas, lorsque l'on veut nous dire que la politique du PCK en matière de mariage était la volonté et c'était le facteur et le vecteur pour arriver à l'augmentation de la population, ce n'est absolument pas ce qui est dit des documents qui ont été cités par l'accusation. On peut retrouver également ce même ce que je viens de dire dans l'analyse que l'on peut avoir d'un entretien du Nonchea. Donc c'est un entretien de 1981 qui a été également cité par l'accusation, document E3-686, ERN en Khmer, S00644682, en anglais S00030349 et en français 00599792. Là encore, le premier paragraphe de cette page, en réponse à la question. Je cite, le gouvernement du Kampuchea démocratique mène-t-il une politique concernant la population et le développement au Kampuchea? L'accusation a cité le premier paragraphe et je voudrais reprendre à la fin du premier paragraphe pour citer les deux paragraphes qui suivent pour remettre ce paragraphe dans le contexte. Donc là, c'est évidemment une analyse a posteriori puisque nous sommes en 81 et c'est intéressant de noter ce qui est dit par Nunchea à ce moment-là. That we're taking after the fact, looking at what Nunchea said then. Donc il parle de l'augmentation de la population en 77 et il dit, fin de ce premier paragraphe, cette augmentation fut le fruit de la politique du Kampuchea démocratique tendant à la protection de la vie des citoyens, principalement en résolvant et en améliorant les conditions de vie. Deuxièmement, nous avons tendu à l'éradication du paludisme dans toutes les régions du pays, des villes, au fin fond de la campagne. Avant que le Kampuchea démocratique ne gouverne le pays, 80% du peuple khmer, plus particulièrement ceux vivant au fin fond de la campagne, souffraient du paludisme. Chaque année, des milliers de Kampucheens, personnes âgées, adultes, enfants et bébés, mouraient du paludisme. Pour la fin 1977, nous avions réduit la fréquence du paludisme de 80 à 90%. Le nombre de Kampucheens qui seraient décédés du paludisme a donc été réduit de 80 à 90%. Parallèlement, nous nous sommes efforcés d'éradiquer complètement plusieurs autres maladies qui avaient été pratiquement vaincues. Troisièmement,
Nous nous sommes efforcés de former toutes sortes de médecins, en particulier ceux qui se spécialisant dans le traitement de tout type de maladies, comme la diarrhée, la dysenterie, le pian et les maladies oculaires qui menaçaient les pauvres dans toutes les localités, ainsi que dans les sièges provinciaux et à Phnom Penh. Nous sommes également efforcés de produire toutes sortes de médicaments traditionnels et modernes. Nous achetions des médicaments à l'étranger pour environ 8 à 10 millions de dollars chaque année. Grâce à la politique du Kampuchea démocratique, à savoir la protection des citoyens et la mise en œuvre de ces mesures, notre population khmère s'est accrue, comme je l'ai déjà dit. Fin de citation. Donc, c'est intéressant de noter ici que, comme pour tous les autres documents qui avaient été cités par l'accusation, ce qui est mis en avant par les leaders n'est pas une politique du mariage, mais une politique de règlement sanitaire, une politique de tentative d'éradiquer les plus grandes causes de mortalité. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire la politique telle qu'elle est présentée par les leaders a eu du succès ou non dans la manière dont elle a été appliquée, mais de noter que si l'on veut s'attacher aux déclarations des leaders, voilà ce qu'ils disent, ils ne disent pas autre chose. Un autre document qui a été utilisé par l'accusation et pour lequel je voudrais lire une partie qui n'a pas été citée, c'est le document E3-25, qui est un étendard révolutionnaire de décembre 1976, ERN en Khmer 00063054, ERN en anglais 00491435, ERN en français 00504063. La fin du paragraphe qui a été cité par l'accusation, celui comme ceci. Pour pouvoir augmenter la population rapidement, les conditions de vie et la santé de cette population doivent être améliorées à coup sûr. Donc, il est alors impératif de faire de la production générale à une grande vitesse. Et voilà ce qui est dit, et que je rajoute qui n'a pas été cité par l'accusation. Les fonds qui viendraient de l'exportation serait réservé pour élargir le secteur agricole, le secteur industriel et pour subvenir aux besoins de la population. Il n'y a rien d'autre en dehors de tout cela. Fin de citation. Donc là encore, c'est un paragraphe que je tenais à rajouter parce qu'il est en lien aussi avec la déclaration de Nunchia de 80. Qui évoque l'achat de médicaments. C'est un point qui a été également abordé lorsque l'accusation a cité une partie d'une déclaration d'un témoin sur la question de savoir mais où allait le riz, est-ce qu'il y avait du riz à l'exportation, est-ce que vous savez où ça allait ou pas. Nous savons et nous avons des documents dossiers disant que oui, il y avait du commerce extérieur dans le cadre du Kampuchea démocratique, tout simplement parce qu'aucun pays ne peut vivre sans aucun commerce extérieur et que c'est parce qu'on a réussi à avoir des devises avec le commerce extérieur que l'on arrive à acheter des choses qui ne sont pas produites dans le cadre du pays. Et je renvoie ici à ce qui avait pu être dit lors des audiences de documents clés, notamment sur les sites de travail, avec un certain nombre de déclarations et d'extraits d'étendards révolutionnaires ou de discours évoquant la nécessité d'acheter du matériel agricole pour permettre une agriculture qui ne soit plus qui soit plus mécanisée que ce qu'elle existait jusqu'à présent au Cambodge. Vient ensuite un autre document cité par l'accusation, c'est un discours attribué à Khieu Samphan à la date du 17 avril 1978. C'est le document E3-562.
Donc le RN en français est le 00280381 et ça se poursuit sur la page suivante. Le RN en anglais est le S00010565 et le RN en Khmer est le 00249991. Dans cette partie qui est intitulée « Dans le domaine de l'amélioration du niveau de vie de la population », l'accusation a cité les points 5, 6 et 7, qui arrivent donc en dernier dans la liste. Et je voudrais, pour que la citation soit complète, citer les points donc 1 à 4 qui sont mentionnés dans ce discours. Donc je cite, dans le domaine de l'amélioration du niveau de vie de la population, petit 1, s'efforcer d'apaiser rapidement et d'améliorer le niveau de vie de la population en termes d'alimentation, d'habillement, de santé, de culture et d'éducation. Petit 2, appliquer fermement le rationnement des vivres déterminé par le parti tout au long de l'année. Petit 3, les bons cadres et les bons membres du comité sont ceux qui sont animés par la résolution et l'amélioration des conditions de vie des masses dans tous les domaines et de façon constante, qui ont là le sens des responsabilités et qui font preuve d'ingéniosité et d'initiative. Petit 4, lancer un projet visant à observer l'hygiène de base dans toutes les coopératives, les usines, sur tous les lieux de travail, dans tous les ministères et départements, à Phnom Penh et dans le reste du pays. Et ce n'est que dans ce contexte que nous avons ensuite les points 5, 6 et 7 qui évoquent l'amélioration des conditions de vie et ensuite l'accroissement de la population. Sachant que dans ce contexte-là, l'accroissement de la population vient à la suite des mesures qui ont été données précédemment, que je viens de lire. Un autre document sur lequel je souhaite également revenir est l'extrait qui a été cité de l'ouvrage de Khieu Samphan, E3-16. L'histoire récente du Cambodge et mes prises de position, qui a été citée à l'ERN en français 00639883. Et en Khmer 00380467. Vraiment, j'ai un problème. Excusez-moi. Ce passage que je viens de citer est plutôt. Les ERN que je viens de citer plutôt correspondent donc à E3-16 et je lis le premier paragraphe qui a été cité. Par l'accusation commence par « Monsieur Philippe Short a raison quand il a écrit « Pol Pot n'avait pas l'intention de réduire le nombre d'habitants ». Bien au contraire, il avait l'objectif de doubler ou de tripler la population. Concrètement, il voulait que la population cambodgienne atteigne 15 millions ou 20 millions de personnes en 10 ans. C'est entre guillemets. Ce nombre étant nécessaire pour concrétiser ces différents projets qui apporteraient la puissance et la prospérité au pays. Cependant, comment était-ce possible de les réaliser si les femmes étaient incapables d'avoir leur menstrue à cause de la malnutrition? La direction a reconnu ce problème. Ça, c'était la fin de la citation par l'accusation. Je rajoute maintenant ce qui vient après. Parce que c'est important dans la manière dont l'accusation a fait cette citation de l'ouvrage de Khieu Samphan, on a l'impression que Khieu Samphan confirme par ses connaissances ce que dit Philippe Short. Or, lorsqu'on lit la suite cette partie de son ouvrage, on comprend que Khieu Samphan fait comme
il a souvent tendance à le faire, des commentaires et son interprétation de ce qu'il a lu dans l'ouvrage de Philip Short. Et la suite se lit comme suit. Dans les résolutions du comité permanent de l'époque et dans les discours de M. Pol Pot prononcés en réunion du parti à huis clos, il est mentionné à maintes reprises qu'il était nécessaire d'assurer une ration alimentaire convenable, c'est-à-dire 500 grammes de paddy en moyenne chaque jour pour chacun. Dans une conférence qu'il, Pol Pot, a organisé dans la zone ouest, il a souligné que le remède le plus important était la nourriture. La résolution de la question alimentaire était le point clé du problème. Deux mois plus tard, Pol Pot a reparlé de cette question. Il cite, nous devons résoudre le problème des moyens de subsistance des habitants. Il faut résoudre cette question rapidement, sinon nous aurons des conflits entre nous. Et c'est intéressant de noter que ce passage a une note de bas de page et que la note de bas de page cite la page 321 en anglais de Philip Short, Pol Pot, The History of a Nightmare, que Sampan poursuit. Et je continue ma citation. L'auteur, donc en parlant de Philip Short, a cité le procès-verbal comme si après, la ration du riz décortiqué doit être de deux boîtes de conserve de riz décortiqué par jour, sinon l'état de santé des gens et leur force physique vont se dégrader. Là encore, note de bas de page, citation d'un procès-verbal de réunion du comité permanent, lui-même cité par Philip Short. Et d'ailleurs, c'est ce que rajoute que Sampan dans son ouvrage, toujours évoquant Philip Short, il poursuit. L'auteur a remarqué que comme ces documents, surtout le procès-verbal du comité permanent, n'étaient diffusés qu'à moins de 10 personnes, et que c'était des documents ultra-confidentiels qui n'atteignaient pas un large public, on pourrait conclure que les idées exprimées par Pol Pot dedans étaient sincères. Fin de citation. Donc là encore, c'est important de remettre la citation dans le contexte et rappeler qu'à ce moment-là, Kyo Sampan commente l'ouvrage de Philip Short. Une autre citation qui a été incomplète, et là c'est intéressant parce que c'est de l'ouvrage de Philip Short et que la partie non mentionnée correspond au propre mariage de Kyo Sampan. Voilà ce que dit Philip Short. Donc c'est le document E3-9, donc Pol Pot, Anatomie d'un cauchemar. ERN en anglais 00396533. Et ça se poursuit sur la page suivante. Et ERN en français 00639883. L'accusation a cité la compréhension de ce qu'était la politique familiale du PCK par Philip Short. Mais voilà, au milieu de la citation, la phrase qui n'a pas été citée, c'est la suivante. Je cite, Kyo Sampan se maria en décembre 72 parce que Pol lui demanda de le faire et joua personnellement les intermédiaires. Traditionnellement, dans la société khmer, les mariages avaient été arrangés par les familles. Lankar joua désormais ce rôle. Fin de citation. Donc, une citation qui trouve son intérêt dans le fait que ce sont des thèmes que nous allons aborder avec les experts et dans la discussion générale sur les mariages, sur la question de ce qu'est un mariage arrangé au sens traditionnel. Un autre document d'époque sur lequel je souhaite revenir est une citation également partielle d'un jeunesse révolutionnaire, document E3-750, qui a été faite par l'accusation. Il s'agit de l'ERN en Khmer 00063616.
Le RN en anglais 00522461 et le RN en français 00525858. L'accusation a cité cette première phrase. La propriété sentimentale, c'est la préoccupation, c'est la pitié, c'est la mélancolie, c'est l'amour de sa propre famille seule, de sa propre parenté, de ses propres frères et sœurs, de ses propres parents. Et c'est ici que l'accusation s'est arrêtée. Et il est intéressant de noter que cette propriété sentimentale n'est pas mise en opposition avec une vision de la famille qui serait une vision simplement égoïste ou une vision simplement collective de la part du PCK. Simplement, voilà ce qui est dit sur la suite. En revanche, par rapport à la population, qu'elle soit malade, qu'elle ait faim ou qu'elle meure de faim, on s'en bat l'œil et on considère que c'est normal. Autre cas de figure, on n'aime que ceux qui savent flatter, courtiser, lécher les bottes. Quant aux combattants et combattantes qui se sont efforcés de travailler parfaitement, mais qui ne sont pas allés brosser leurs chaussures, on en est indifférent ou on pourrait même en être insatisfait. Tout ceci représente des phénomènes dysfonctionnels qui ont été tous causés par la position de la propriété individuelle et personnelle. Fin de citation. Donc là, dans ce contexte, la citation n'a pas pour vocation à critiquer la vision de la famille ou le fait d'avoir une famille, le fait que de penser simplement à d'un point de vue personnel sans se soucier du reste de la population est un problème. Et ça, je mets cette citation en parallèle avec des dysfonctionnements et des mauvais comportements que l'on a pu évoquer dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir par les cadres locaux. Ce que l'on constate dans cet étendard révolutionnaire, c'est qu'on considère que ne pas s'occuper du bien-être de la population est considéré comme un phénomène dysfonctionnel. C'était important de le souligner puisque on nous dit beaucoup du côté de l'accusation que la politique du PCK se retrouve dans les étendards révolutionnaires. C'est important de noter à ce moment-là ce qui ne correspond pas au niveau de la pratique à ce qui a pu être préconisé dans certains documents. De la même façon, très brièvement sur le document E3/732, l'accusation nous a longuement lu ce jeunesse révolutionnaire évoquant l'histoire de la révolutionnaire Thorne, en nous expliquant qu'il s'agissait de la vision de la famille du PCK. Je rappelle simplement, pour mettre les choses dans leur contexte, que l'histoire de la révolutionnaire se passe en 1971 et que c'est plus une histoire visant à exalter les sacrifices qui ont pu être effectués pendant la période où il y avait les combats avec les troupes de Lon Nol, que une vision particulière de la famille. Et pour s'en convaincre, il suffit de lire la suite, qui n'a pas été citée par l'accusation, à ce document. Donc c'est à l'ERN en français, 00611527, l'ERN en Khmer, 00064309, il y a l'ERN en anglais 00392451. Je rappelle que l'histoire telle qu'elle est rapportée se situe en 1971. Et voilà ce qui est dit. Les ennemis devenaient de plus en plus atroces, de plus en plus féroces et de plus en plus fascistes. Ils ne cessaient de mener des opérations qui tendaient à réprimer et persécuter les habitants innocents du district de Mukkampul,
ainsi que de toutes les régions qui étaient sous leur occupation. Voilà, dans ce contexte, ce qui est raconté. Donc là, on parle d'une histoire qui vise à rappeler ce qui s'est passé dans le district de Mukkampul au moment où il y avait les troupes de l'ONOL et pendant le régime pré-Kampuchea démocratique. Il est important de resituer ces différentes citations qui ont été utilisées par l'accusation dans le contexte dans lequel ces citations ont été faites. Et c'est d'autant plus important que ces citations sorties de leur contexte sont la base de la conclusion de l'accusation par la suite, qui était de dire la défense vous cite régulièrement le point numéro 6 des 12 principes moraux, donc qui sont rappelés dans le document E3-765 à l'ERN. Enfin, c'est le point numéro 6, donc c'est dans toutes les langues. Et l'accusation, en gros, nous dit, mais on ne peut pas comprendre cette règle si on ne comprend pas qu'elle est en fait, elle n'a pas le sens qu'on indique qu'elle l'a, parce qu'il y a ces autres éléments que nous avons cités auparavant. Ça, c'est la position de l'accusation. Je rappelle quand même que c'est important de dire que cette règle a été écrite noir sur blanc et que c'est, ça fait partie des principes qui étaient régulièrement énoncés dans le cadre du Kampuchea démocratique, de la formation des cadres et en général de la population. Il est important aussi de rappeler que ce n'est pas parce qu'une règle a été violée ou n'a pas été appliquée que ça veut dire que les personnes qui l'ont initiée, le législateur ou en l'occurrence ici le PCK a énoncé un principe, et ce n'est pas parce qu'on a violé ce principe que le PCK n'avait pas l'intention de faire en sorte qu'il soit respecté tel qu'il a été écrit. Et c'était, c'est très clair lorsqu'on lit cet article 6 des 12 points de la morale révolutionnaire, que lorsqu'il y a un mariage, il est nécessaire qu'il y ait le consentement des deux intéressés et le consentement de la collectivité. Lorsqu'on prend n'importe quelle règle de mariage dans n'importe quel pays, on constatera que la question de l'autorisation du mariage de la collectivité est aussi un élément qui intervient. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a la publication des bons, par exemple, dans la plupart des sociétés occidentales. Donc en tout état de cause, de dire que parce que il y a eu des violations de cette règle telle qu'elle a été rappelée dans cet étendard révolutionnaire E3-765, de dire que cette règle a été violée et qu'elle ne voudrait rien dire, ça reviendra à dire que parce qu'il y a dans n'importe quelle société des crimes ou des viols qui sont pourtant commis quand il y a un code pénal le prohibant, ça ne veut pas dire que la règle n'existe pas et qu'elle n'avait pas l'intention d'être appliquée. Il y a des violations, nous n'en disconvenons pas, mais de dire que c'était l'objet et le but de la politique du PCK, c'est un pas qu'on ne saurait franchir. Viennent ensuite, en dehors de ces documents d'époque et de ces discours de certains dirigeants, vous avez par la suite l'utilisation par l'accusation de beaucoup de documents et de déclarations écrites ou d'ouvrages rapportant les propos d'entretien. Là encore, je suis obligée de dire qu'il faut faire attention aux extrapolations et aux interprétations tout à fait personnelles de M. le co-procureur. Je prends pour exemple le document E3-1094 qui a été cité par l'accusation, on évoque
où l'accusation évoque un suicide qui a été rapporté dans ce rapport de juillet 78. Et il nous indique que, en fait, l'explication qui est donnée par le cadre serait une explication erronée en disant qu'il ne savait pas les causes du suicide, parce que lui, monsieur le coprocureur, estime que la cause du suicide serait le mariage. D'où vient cette affirmation, on ne sait pas. C'est une interprétation de la part de l'accusation. En tout état de cause, il faut encore une fois se garder de ce genre d'extrapolation. Un autre point qui a été mis en avant par l'accusation est un rapport dans lequel on évoque le nombre de couples qui ont été mariés. Donc c'est un rapport de E3-1092, ERN en français 00611449, ça se poursuit sur la page suivante, and it continues on the next ERN en anglais 00289924, ERN en Khmer 00143579. L'accusation a cité le dernier paragraphe de cette rubrique qui s'intitule Les conditions de vie de la population. Et c'est le tout dernier paragraphe qui mentionne le nombre de mariages qu'il y aurait eu dans le district 26 et la région 32. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que cette mention est anecdotique par rapport à tous les autres éléments qui sont mentionnés dans cette rubrique. Et je vais lire. Donc, les conditions de vie de la population, les problèmes de vivre, en général, on mange du riz consistant, le matin et le soir. Et maintenant, les vivres sont mélangés à du maïs et aux patates en partie. Les mets qui accompagnent le riz consistant, le poisson, la viande et les légumes, on en a trouvé modérément. Le problème du dessert. Il a été résolu selon le régime qui a été fixé par le parti dans une certaine mesure. Dans certaines régions et dans certains districts, on ne l'a pas encore appliqué régulièrement. Le problème du logement. On a pris soin de construire, de faire des toitures et d'édifier des murs de façon convenable au fur et à mesure. Le problème de la santé du peuple. En général, les gens ne sont pas trop malades. Cependant, dans certaines bases, il y a encore des maladies comme de la fièvre, des diarrhées et des œdèmes. Et dans la région 37, durant cette semaine, il y avait beaucoup de malades qui souffraient de la fièvre par rapport au mois précédent. Cela venait de la pluie qui tombait abondamment tous les jours. De plus, on a lancé l'offensive du travail encore plus fortement parce qu'il y a suffisamment de semences et de l'eau. De ce fait, on se bat tous les jours. Les mesures, de points, on a constitué un corps de soignants de tous niveaux pour qu'ils aillent sur le terrain et pour qu'ils suivent à la trace les maladies fréquemment. Par ailleurs, on a veillé à ce que l'hygiène soit respectée, consommer de l'eau bouillie et balayer les maisons régulièrement. Vient ensuite le dernier paragraphe cité par l'accusation. La fondation des familles, deux points. On a marié 10 couples dans le district 26 et la région 32. Et reste de la citation. Donc ça, c'est important de noter que le mariage ne vient pas en premier lieu sur la question de l'augmentation de la population. Il vient dans le cadre des conditions de vie de la population et il vient en dernier parce que ce qui est le plus important, et ça, a priori, ce serait en lien avec ce qui a été dit dans les discours tels que je les ai rappelés précédemment. Ce qui est important, c'est de s'attacher aux conditions de vie de la population. Je vais aller très rapidement sur les déclarations écrites et les extraits
d'ouvrages évoquant des entretiens avec des témoins, enfin des personnes qui ne sont pas témoins devant cette chambre et donc pour lesquelles nous n'avons pas de possibilité d'interrogatoire, simplement pour rappeler que notamment dans l'ouvrage d'Elizabeth Baker qui a été cité à plusieurs reprises, souvent il y a des affirmations qui sont fondées sur des entretiens qui sont isolés. C'est le choix de l'auteur et c'est son droit le plus strict de faire des affirmations générales, mais on saurait utiliser ce même concept lorsque nous sommes devant une enceinte judiciaire où la confrontation à la preuve est importante et où une déclaration ne saurait permettre de tirer une conclusion générale. Petite observation également sur l'ouvrage de Raoul Génard cité par l'accusation, spécifiquement d'ailleurs pour citer un ouvrage de Sam Demsyanouk, l'ouvrage de Raoul Génard, E3-3993. Que dire si ce n'est un si ce n'est que c'est un document extrêmement daté, puisque il a été rédigé à l'époque où il y avait, c'était encore en cours d'instruction, que très peu de documents sont utilisés par l'auteur et que surtout, il s'agit plus d'un pamphlet que d'un ouvrage académique. En tout état de cause, j'ai bien compris que l'objet de la citation de ce passage de l'ouvrage de Raoul Génard avait pour but d'évoquer l'ouvrage de Noro Demsyanouk, document E3-2813. La Chambre a certainement en mémoire la citation effectuée par l'accusation sur ce point. On comprend en tout état de cause que Noro Demsyanouk ironise sur la position de Que Sampan, mais malgré tout, lorsque l'on lit son ouvrage, lorsque l'on lit son ouvrage, on note qu'il est quand même bien obligé d'indiquer que Que Sampan n'a jamais parlé de mariage forcé. Quant à son analyse de ce qu'était le mariage de soldats handicapés, j'ai envie de dire que sa comparaison avec la créature de Frankenstein entre les soldats handicapés et l'ouvrage connu sur la créature me paraît quelque peu indélicat. En tout état de cause, nous aurions pu, si la Chambre avait accordé, comme nous l'avions demandé, la comparution de Sam Demsyanouk à l'époque où il était encore en vie. Malheureusement, c'est trop tard. Nous serons donc obligés de nous contenter de ces éléments sans possibilité de l'interroger, mais en tout état de cause, évoquer, comparer des soldats handicapés à la créature de Frankenstein lorsque bon nombre de ces soldats se sont engagés à la suite de l'appel de Noro Demsyanouk pour lutter contre le régime de Lonnol nous paraît à tout le moins problématique. Et le dernier point que je noterai, sur ce passage, pose aussi une question de cohérence avec la preuve qui a été apportée jusque-là, si j'ai bien compris. Et ça ressort des éléments qui sont mis en avant, que ce soit par l'accusation ou par les co-avocats des parties civiles lorsque sont interrogés les témoins ou les parties civiles, à savoir que si on était sur la nécessité de mariage avec des gens ayant des biographies similaires, alors l'affirmation selon laquelle, et je cite, et ce sera la fin avant la pause, Monsieur le Président, je sais que j'arrive à terme, l'affirmation qui figure donc sur l'ouvrage de Noro Demsyanouk E3-2813 en Khmer 00632843, et ça se poursuit sur la page suivante, en anglais 00632939, et en français 00395353. Donc quand on nous dit « Mais de là à accepter de quêter de cœur l'idée de sacrifier de gentilles vierges sorties de nos collèges, lycées et universités,
sur l'autel d'une telle forme de patriotisme, il y a un fossé que notre esprit ne saurait franchir. Fin de citation. J'ai compris des dépositions qu'il y avait jusqu'à présent, en tout état de cause, hein, que les soldats. Counsel, please, slow down for proper interpretation record. Excusez-moi, Monsieur le Président, je vais essayer de ralentir. Donc, je disais simplement que cette affirmation selon laquelle il y aurait eu des jeunes filles de collège, lycée, université qui auraient été mariées à des soldats handicapés ne correspond absolument pas à la preuve qu'on a pu entendre jusqu'à présent, qui était de dire que les soldats handicapés étaient mariés à des personnes qu'on estimait comme étant des personnes révolutionnaires et engagées depuis longtemps, et donc a priori pas des personnes qui seraient ressortissantes du peuple nouveau. Donc voilà l'observation que je tenais à faire sur ces déclarations, qui encore une fois sont des déclarations propres à Norodom Sihanouk et pour lesquelles nous n'avons pas de possibilité de confronter d'autres éléments puisque nous n'avons pas pu avoir sa comparution dans le cadre du procès 02 bar. J'ai encore quelques documents à commenter après la pause, mais je n'en aurai pas pour longtemps après. I will return to my presentation, my arguments after the break, and I won't have much to say. Thank you, Counsel. Maître, je vous remercie. It is now time for a short break, and the chamber will take a 20-minute break from now. L'audience est suspendue pendant 20 minutes.